Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo PVM cette fois-ci en compagnie de Robinator, salut Robby. Robin, pardon. Salut. Et je vous envoie tout de suite le jingle. Et voilà, on se retrouve dans le jeu, juste devant le donjon Mrs. Freeze. Je règle juste mon son une seconde. Voilà, et on peut y aller. Utiliser le trousseau. Donc j'ai jamais fait ça, et Robin a accepté de me le faire passer, donc c'est bien gentil de sa part. Donc, on peut y aller. J'imagine que je dois pas me mettre au raccord. On va jouer tout le donjon que de loin. Ok. Tu peux te mettre à droite si tu... Il y a quelque chose à éviter de faire ou quoi, ou faut tout simplement taper ici? Bah, je vais expliquer au fur et à mesure les sorts des mobs. Alors, le ventru, il lance Vidilic. Vidilic, quand le tape au cac, il nous renvoie. Et quand il a un allié à lui, à son cac, ça lui donne 5 PM plus une centaine de dommages. Je sais plus exactement. Mais... Donc, en gros, on le tape de loin, quoi, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais. Ouais, tu veux que je donne des PA avec Kaboom ou pas? Je veux bien, ouais. J'ai posé une question que tu dois savoir mieux que moi. Est-ce que dernier souffle, ça se... Ça se stack? Non, ça se cumule pas. Je pense pas, non. Ah non, non, je vais pas te vérifier. Voilà. Le Tarkanique qui va jouer dès à présent, il tape en ligne, il vire des PL, et quand il tape avec son autre sort qui n'est pas en ligne, il vire de la PO. Ok. Le sort qui vire des PL, quand plus il perd point de vie, plus il tape. Et ça peut très très vite compter. Donc en gros, faut le one shot, quoi, c'est ça. Faut juste que s'il a pas de PO et pas de PL, il fera rien. Ça va. Ouais, que ton crâne fait un œil de taupe en zone, c'est bon. Par contre, t'es con, t'as bougé de la. Ouais, ouais, par contre, moi dans le donjon avec mon plan, je joue presque pas les bons. Pour moi, c'est pas intéressant parce que les maps elles sont trop. Oh, bah, avec un roublard R de toute façon. Voilà, voilà. Y a aucun moyen de faire des combos de monde. Bah, de toute façon, les sorts du roublard R sont beaucoup mieux que les bombes. Enfin, en PVM, les bombes tu les utilises que quand t'es tout seul. Enfin, ça peut être bien quand t'es groupé, mais bon, quand t'as des mobs qui tapent et qui one-shot les bombes, je vois pas l'intérêt, quoi. J'ai bien aimé ta flèche explosive hier. C'est au goût de test, c'était marrant. La flèche explose, ouais. Je vois CC 450, je fais. Comment il a fait ça lui? Ouais, franchement, vous avez fait un beau combat. Ouais, donc pour ceux qui savaient pas, Robin il est au goût de test avec Sumen s'ils ont gagné hier. Et il est dans Sumens A. Ah. Et t'es remplaçant ou t'es premier? C'est ça, je suis remplaçant. Ah. En fait, c'est toute l'équipe de remplacement qui a fait hier, non? Avec. Sauf Lingen. Lingen qui est. Tueur. Donc, si tu peux taper lui, enfin, celui-là. Vas-y, celui-là, pardon.
c'est bête. Tu peux le finir? Ouais. Bon, je vais m'en prendre un sur la gueule, mais je pourrais finir. Le verre glaceur, il a un sort voilà, qui est actif, qui est un peu comme mascarade. Quand on tape, ça vient des points de vie à toute la donne. Ah, ça c'est bien. Mais je comprends pas, il perd pas les PV voilà. Quand tu regardes. Tu vois Midilic, qu'est-ce que ça vient de faire? Ça vient de donner 5 PM au. Au ventre. Au... Non, au carcanic. Ah, ça fait perdre de la vie, ça enlève pas de la vie. Oui, c'est ça, c'est mascarade. Ouais, c'est mascarade sur les points de vie. Non. Oh là 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 là. Je vais mourir. Ah ouais, non, là, le carcanic qui va me faire mal. Là, il peut te tuer, ouais. Bah, voilà, t'as tué. Ah ouais, quand même. Mais c'est pas trop trop grave. À part peut-être pour le pain. Oh, mais ça, ça va. S'il y a que ça, c'est pas grave. Ah bah, j'ai le fort place à un combo. En fait, t'as tous tes persos qui sont optiques, quoi. J'ai, ben, ouais. Là, j'ai réussi à enfin optimiser cette nation. Et t'as un quatrième perso à ma place, normalement? J'ai Robin au Samoda. Ah, ok. Oh, bah, t'es une bonne team, en fait. Ouais. J'aime assez bien la team. Bah, c'est cool, c'est que t'es un roubleur, quoi, tu vois. J'ai toute ma team qui est stuff en... avec les stuff du compte à rebours. Sauf mon roublard parce qu'il a pas le level. Ah bah d'accord. C'était bien dingue. Oh putain, il va prendre cher lui. Roublabot, les derniers souffles. Tu peux même faire une poudre. Ah non, trop tard, si. Une poudre là pour si jamais il décide de la taper, il se prend tout dans la gueule comme ça. Tac. Mais en fait, j'ai fait une bêtise. Non, ça va. Moi, je pense qu'il va tuer mon bar. Putain, il fait mal. Ah ouais, ils sont bien les mobs, ça. Oh putain. Ah, ça change d'automaille, ça c'est sûr. Bon, après. C'est normal. C'est la panneau séculaire là que t'as sur l'ennemi. Sur mon ennemi, c'est ça. Ouais. C'est la panneau feu Free 3, quoi, c'est ça. Du compte à rebours. Ah, d'accord. J'ai un blog avec tous les stocks. Ouais, bah, je suis allé voir un petit peu tout à l'heure. Robinou.skyrock.com. Ça me fait chier de pas le finir, mais si je le finis pas. Ah, mais pas en bouffe, il va tuer le roublard, donc faut que tu le finisses. Le troll lui aussi. Ah, ben non. J'ai voulu voler un peintre pour aller qu'il libère, mais je crois. Ah ouais, en plus vous avez fini à la Libé. Donc attention, je prends le pont du coup. Là. C'est encore que moi qui ai droppé, c'est bien. C'est très bien. Le drop sur T3 il est vachement pauvre. Moi je vois la dernière salle. À part s'il y a un gros challenge, sinon il n'y a jamais rien. Oh, il est bien ce anneau. Il donne pas de CC, bien. Il y a un anneau Mrs. Freeze que je vois là qui était bien. En fait, la panneau Mrs. Freeze donne pas mal d'inter en fait. La panneau Freeze, elle est bien sans être bien.
Elle a des malus qui sont pas trop bien, quoi. Le malus initiatique sur les bots, ça casse un peu tout. Le malus suite sans anneau, pareil. Les trois items associés, ça vaut pas le coup. Vaut mieux en mettre deux et avoir le bonus pas tout. Après. Donc en gros, je peux mettre par exemple la coiffe et l'anneau. Coiffe, anneau ou quoi? Tu es prêt? Ouais. Bah, cette salle, c'est pas un préféré. Oh putain, d'accord. Encore un carcanique à la con. Anneau, donne de l'intel, la coiffe, de la puissance. Le bonus, c'est 30 d'intel. Ouais, ça peut être pas mal. Attends, 3 CC, 6 CC. Ah, bah oui, la coiffe, elle est nickel en fait. Pour remplacer ma frime à coiffe. Et l'anneau, 4 CC. C'est une frime à coiffe. C'est pour avoir des CC pour être 1 sur 2 au. Comment ça s'appelle? Non, elle est pas automatique. Je crois que je perds un CC, mais je pense pas que c'est grave. Attends, j'ai 40 coups critiques avec 39, je suis un sur 2 au 45, non? Alors là, c'est vraiment une bonne question. Je sais pas du tout. Jamais trop compris comment ça fonctionnait en fait. Bah, il y a déjà y a la J qui rentre en compte. Ouais, mais ça, je suis pare chaude, ça, il n'y a pas de souci. Mais même la J pour rentrer en compte, c'est rien du tout, hein. Ça va être tu vas gagner un CC pour 300 d'AJ, un truc du genre. Tu Je veux que je pense le que. foute loin, le frimard? Non, parce que là il va lancer son sort. Donc le frimard, son sort c'est. Je connais pas le nom, mais je sais que quand on le déplace, il gagne 4 PM plus 500 dommages. Donc lui on va vite le buter, parce qu'il tape très fort aussi. Ouais, je vois ça. Tu vois? Là tu viens de donner 4 PM et 500 dommages. Fallait pas. Si on finit, ça va. Si on finit pas, Fallait pas, quoi. il arrive. Bah, je vais pas Ah, le faire. Stalak. Je connais ce perso, j'ai déjà entendu parler. Je crois que c'est lui qui reste vivant en dernier au boss quand. Comment il s'appelle Quand les nuits humaines, ça avait fini à soloter, là, tu vois. Je sais plus comment il s'appelle. C'est qui tu dis? Ronchon, ah ouais. Ronchon. Franchement, ouais, c'est les nuls de du pack. Ouais. Bon. Elle n'empêche, humaine, ceux, ils sont en train de se réveiller, je trouve. On les voyait plus trop, là, mais. Mais on recommence à venir. Oh, les pénis. Ouais, les pénis sur Roublard, c'est surtout pour le PM et les raisins. Parce que pour moi, le pack sur Roublard, c'est pas intéressant. Surtout pour le Roublard Agi qui tape devant. Ouais, le roublard agit, ouais, mais un roublard feu, il te faut un gros claque. Bon, et là lui on n'en parle Bon, plus. Je peux Stalak taper le maintenant. frimon en. Je peux taper le style, pardon, en jungle. Et le Stalak, il a un sort qui s'appelle Tranchaînement, qui est quand il est actif, quand on le tape, ça renvoie deux cases à de lui. Par exemple, si on Ouais, le faut pas tape, rester au ça corps à corps. renvoie ici, ici, ici. Ouais, comme une bombe, quoi, en fait. Ben c'est voilà, comme ça. Et tu vas pas avoir trop de soucis avec moi à la place de ton sort, en fait. Non, mais non, en fait, je fais passer des donjons. Je sais pas si t'as vu un article. Je fais passer les donjons contre des kamas, et j'ai toujours, en fait,
Kra et Nirblar. Et je prends toujours une quatrième personne. Ah d'accord. T'as pas besoin de forcément d'un non, quatrième. Non, j'ai juste besoin de mes trois persos. Mais il faut que tu m'aides, hein. Bah ouais, ça je sais bien. Mais... Après, avec le... s'il reste que la prise solo avec le Kra, je gère. Ça m'est jamais arrivé de rester seul. Le plus dur, c'est de tuer les mobs. Une fois qu'on a tué les mobs, Ah, tu commences pas par la frise, toi. Parce qu'il y en a, ils gardent le stalag, je pense, et la frise, et puis... Ah, ils tranchent les mains, ouais, mais... Passage de tête. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils font, ils font des machins de 70 tours, des trucs pareils. J'ai pas de panda, donc mon placement, c'est un peu galère. Ouais, j'ai de la botte, c'est pas très cool. Et pareil que le Carcanic et le Schriftmar, moi ils ont le point de vie, les stalacs, plus vite. Ouais, bah je vois ça. Kenji dit, il y a la... il fait l'accent en belge. Oh. Je vais leur dire quand même. Les gars. Ah ouais, du coup en plus Anis il va nous faire une belle connerie. Là c'est bien, on retrouve le script médial de notre gars. Ouais. Ouais, surtout que c'est comme ça presque tout le temps en plus donc. Tu vas faire d'audience belge. Tu aurais besoin de mettre un coup. Boum 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 boum. Ah, il y en a deux de stalag, j'avais pas vu. Oui, dans ce stalag, il y en a deux. Première salle, il y a deux ventres pullions. Deuxième salle, deux stalag. Troisième salle, trois deux carcaniques. Avant dernière salle, deux frimards. Ils n'ont mis aucune salle avec des verglaceurs. Alors que c'est l'artiste qui vaut le plus cher. Sans trop dire. J'ai plus de PO, bordel de merde. C'est le carcanique qui n'a plus. J'ai même pas assez de PO pour pouvoir déclencher ma bombe, t'imagines. Faut que je revoie mon stuff là, il est pas très. Mais c'est un stuff provisoire, hein. Ah bah voilà. Toute ta vie, Starak a un point de vie, il faut pas. On va perdre notre poste capi à. À toutes les salles, je vais mourir, tu vois. Tu joues tout le temps avec flèche empoisonnée. Le Starlight avec ses faiblesses neutres, ça vaut le coup. Ah ouais. Puis c'est un sort que j'aime bien. T'es full par show sort avec Roby. Avec Robin Nator ou quoi. Robin ou pareil. Et les autres, j'ai monté ce qu'il fallait. Bah grâce à Freeboss 3, j'ai réussi à. Attends. Bien renflouer les tests. Bien renflouer les tests. Bon, ça se fait que le Kerkani qui prenait le dommage x2. Comment ça x2? C'est le CC à. C'est le CC à ton commande? Bon. On va arrêter de faire la merde.
Bon, et ce soir, on compte sur toi pour le Gulta, alors. Il y a Sumens B qui joue, mais c'est la team poubelle, ça, non? Ouais, comme la nôtre. Pourtant, on a réussi à gagner. Bah, c'est pas une team poubelle, vous avez une belle compo. Ouais, par rapport aux autres teams... Mais il y a un truc qui est dommage dans la team, je trouve, c'est Lenny. Je sais pas, il se fait focus tout le temps, il sert à rien, en fait. Enfin, c'est pas qu'il sert à rien, mais... Oui, enfin, n'importe quel ennemi, que ce soit Roland Nini ou... Oli Chef ou des machins comme ça. Plus, c'était pas sa faute en lui-même. Ah ouais, non, c'est pas sa faute, je dis pas ça contre lui. Je dis pas ça contre lui, mais ils peuvent rien faire, quoi, tu vois. À part se soigner, partez à du 3 contre 4, quoi. Bon, après, c'est vrai que vous avez une team assez violente. Par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi hier, vous avez pas focus le Xel. En fait, on a focus qu'on pouvait. Ben ouais, ben je voyais que vous changez de focus tout le temps, alors je me dis, mais il tape ceux qui peuvent, à mon avis. On a souvent changé de cible. On a focus le crâne dès qu'on l'a vu dans notre gueule, enfin, dans le plus près de nous. Et lui, j'ai réussi à l'immobiliser et après on a réussi à finir. T'as vu que ton ennemi avait plus de vie? Non, t'inquiète, t'as toujours vu. Ah, ben voilà. Pour te faire plaisir. C'est là. Plus simple. Ah non, mais justement, moi je cherchais une compo dans laquelle que je pourrais mettre mon roublard. C'est vrai que Kra, roublard et Nid, c'est pas mal. Bon, maintenant le problème c'est que mon Eni et mon Kra sont sur le même compte que le roublard, donc après. J'ai plein de comptes comme ça aussi. Faut faire le dernier souffle avant de le mettre dans le bombe. Les nouveaux, mon roublard, justement, j'allais le dire. Mon roublard, je l'ai monté très très vite. Parce qu'il y a Sakri 199, Panda 199 et Zobal 186 dessus. Ah, donc bah, je l'ai monté en un arrière-temps et je le connais. Hein. Là, je commence à mieux jouer, mais au début, c'était. Tu vois, si t'avais pas fait la reconce là, Lenny, il était mort. Il était totalement mort. Super capitaine, on va se pousser. Par contre, un truc que je vais te demander, la flèche punitive, quand tu tapes pas au premier boost, ça se stack ou alors tu es obligé de taper une deuxième fois pour avoir les deux boosts d'affilée, là, tu vois? Si tu lances premier tour, si tu tapes au troisième tour, tu as premier boost, mais si tu tapes pas, tu dois attendre le cinquième, c'est ça? Oui, non, je peux la relancer quatrième tour. Ah, d'accord. Mais t'attends juste un tour en plus pour avoir plus de boost, quoi, c'est ça? En fait, bon, comment t'expliquer? Alors, premier tour, tu la lances. Ouais. Tour 3, elle est chargée. C'est comme... En fait, ça marche comme la colère. Tour 3, elle est chargée. Tu la relances, elle se recharge. Et tour 5, tu la engrosses. Ah, tour 5, t'as les deux boosts. Ouais, c'est ça. Ah, bah c'est ça que je demandais, en fait. Je me suis peut-être mal exprimé. Non. Oh, c'est pas bien, okay. Pour avoir pu XP booster à fond, c'est tour 7. Tu lances pu XP le premier tour et tour 7, tu as les deux qui sont chargés. Donc celle-là, c'est peut-être ça le... On peut facilement garde si on fait les coups. D'ailleurs, si tu vois les mobs... Je vais où? À droite, en ligne. Là ou... pardon. Oh, joli, t'as vu le... J'ai l'anamnésie. Ouais. Il y en a pas mal des jeux comme ça qui tournent en ce moment. Et c'est la nouvelle APM, PO, CC,
avec de l'invitation. J'en ai déjà vu un 2 CC, il était pas mal. Ça faut de la chatte quand même, putain. On peut même faire le châle mystique. Ah bah c'est sûr que c'est pas moi qui vais louper, hein. Y'a que moi qui tape au cac, je pense, de la team. J'aime bien la coiffe séculaire, elle est sympa. Elle est jolie, hein. Ouais. Moi je l'ai mis sur mon dossier, mon ami. J'ai oublié les reliquants pour eux. Ben, vaut mieux, parce que franchement, ils donnent mieux comme ça. Moi perso, je trouve ça stylé de montrer ah, les objets chez toi, comme ça ils te disent, ah putain, lui il l'a fait. Bah, on a l'armement aussi maintenant pour ça. Ah, tu l'avais déjà fait? Oui, je l'avais déjà fait. Ah merde, je l'avais pas vu. Bah, vaut mieux que. Ah ouais, non. Oh putain, j'ai pas remarqué qu'il tapait aussi fort dès le début. Oh, les carcaniques, ils vont faire chier. En tout cas, la strigide, elle est vraiment énorme. Moi, je l'adopte à 200%. La strigite, c'est celle qui donne la puissance. C'est ça. Tu l'as sur le crâne, j'imagine. J'ai sur le crâne. Mais si c'est un peu con que c'est pas 199 les panneaux. Comment? Je dis c'est un peu con que ce soit pas 199 les panneaux, sinon j'aurais pu la mettre aussi. Mais... Ben non, moi justement, je trouve que c'est bien que ce soit 200 parce que le 200 avait rien de plus qu'un 129, à part le double à la limite et. Ouais, c'est ça. Moi, le double crash, je trouve que c'est bien que. À la limite, ouais, le double ennemi, il est pas mal, il soigne. Ouais, il tape pas mal en plus. Si tu le boostes. Ouais, en colis, j'aime bien le booster avec mon set. Hein. Ouais. En mode easy PVP. Il crève pas! Tu viens de donner 5 PM au. À lui là, justement lui, celui qui est en train de crever. Je prends les dommages sur ma gueule pour me punir. Ah, tu m'as dit de faire tout péter, j'ai tout fait péter. Hein. Putain, ça fait 3 salles d'affilée que je fais des fails comme ça, faut que je fasse gaffe. Bon, j'ai pas l'habitude d'avancer comme ça sans le ventre, mais. On va buter une carca. Ouais. Ah non, l'espingole. Et alors, je sais pas si tu savais, l'espingole, si tu le fais directement sur le gars au lieu de le mettre la case à côté, ça tape plus ça fort. Tape plus fort. Mais je l'ai pas mis sur lui parce que je voulais aller d'accord moi. Ah. J'aurais pas eu les pieds. Oh, et vous finirez pas la vie. Eh, je suis encore mort. Je suis en train de feed l'ennemi, mais c'est pas bien. ça vaut pas le coup de prendre quelqu'un en danger. Non. Là. Bah, ça fait un focus, ça fait un petit tank en plus pour venir. Bon, il faut que je tue Carcanique, sinon je vais être dans la vie. Hop là. Ah oui, il fait mal. J'aime bien la couleur de tes persos, ils sont stylés. Ça va bien avec la DD, je trouve. Au début, j'avais changé les couleurs de juste pour Saini, pour les mettre en couleur de la circulaire. Et au final, je les ai un peu tous mis avec à peu près la couleur. Bah, tu sais qu'on peut mettre la couleur exacte.
C'est pas dur. Oui, avec le... Je sais pas comment c'est, mais... Avec le shift, tu peux mettre des codes de couleurs à la place des couleurs normales. Et comme ça, tu peux mettre les couleurs que tu veux. Bon, ça, je sais pas coller. Parfait. On va faire... J'invoque pas de Napino parce que s'il se place mal, il va ramener ça, là, alors... Je veux que je me débrouille à me soin tout seul. Parce que le Stalag est un sort qui s'active en ligne à 12 de PO. Il y a Bloody qui est en train de rager. Parce qu'il n'arrive pas à faire son exode puis hier soir. C'est quoi? Oui, c'est le. Ouais, il fait un bon spa pour Joshi. C'est quoi qu'il fait? Un bon spa. Ah. Mais ça reste un petit moule celui-là. Monsieur, je fais des... Avant qu'il parte en vacances, on était tous sur TS, il nous a sorti une petite alliance Blurson. Ouais, j'étais là, je sais bien, j'étais là quand vous l'avez fait. J'ai vu qu'il avait mis sur le truc, et en plus on est sur TS avec lui que vous aviez dit. Mais c'est quoi le truc bidili quand tu le tapes de loin et il prend les dommages x2, c'est quoi ça? Non. Attends, moi je l'ai fait... Donc. A lui une prêve, non? C'est que en ligne maintenant, la prêve. Ah ouais. Ouais, mais t'as plus de ligne de vue. Ouais, j'avais oublié. Elle maudit mot totalement fait. Ouais, c'est pas mal ça, les esquives de 4PN. Ah là là, si on pouvait retrouver certains sorts d'avant. La flèche cinglante, oh. Un point de 3PN d'office. Ça me manque trop. Quand tu mettais l'écran en full panneau de classe, c'était invincible. En plus, elle était à 2 PA, tu pouvais la lancer autant de fois que tu voulais partout. Enfin, c'était totalement pété. T'avais un crâne dans ta team, tu faisais une team full crâne, le gars en face, il pouvait pas bouger. Tu sais, soloter le team relay avec un crâne niveau 150, enfin, c'était cool. Je déteste utiliser mon ennemi comme ça. Les mules à 100, c'est moche. Ah mais quand il faut, il faut. Quand Cap il fout la merde. Là par contre tu vois avec Robinol, tu vas faire... Je vais faire un petit... Une entourloupe sur celle-là. Bombe ici, aimantation, je fais tout péter. Voilà. Bah pas forcément tout péter, tu peux le laisser dans le mur. Enfin non, c'est mieux de le faire péter je pense, parce qu'elle est quand même boostée là. Je vais t'apprendre à jouer Goublard en PVM, t'inquiète pas. Voilà, tu décales en ligne. Je vais même te faire plaisir, je vais t'en avant et dernier splendor. Voilà, ça c'est bien. Tu vois, s'il aurait eu le sort tranchèlement, tout le monde serait mort. Ça va, il est passé de 6000 à 2000, c'est bien. Non, je te voudrais. Ouais, en fait, avec ton Ossa, t'es pépère, quoi. Dès qu'il y en a qui meurt, boum, tu réinvoques. C'est ça, je suis tranquille. Et il est feu aussi, ton Ossa. Comment? Il est feu aussi, l'Ossa. Ouais. Et il rentre vraiment beaucoup. Bah, j'ai elle frappe de crack depuis qu'elles ont été upées, elle t'a blindé. J'en ai vu qu'un seul de ça, et c'était Snyder, alors... C'est un peu comme les points d'attaque, non? C'est un peu dédicace à Spera. Ouais. Avec ses points d'attaque sur abusé. Bah, en colis, tantôt, il nous a sorti un à 860, donc ça va. Ça fait rager, quand même, hein? Bah ouais, il chope un gars, comme il est en 10 PA, il chope un gars, il le met en ligne avec l'autre, deux points d'attaque, ouais. Boum boum.
Mais bon, il a beau être aussi abusé qu'il veut, on a quand même perdu tout à l'heure. On a perdu deux fois en plus. Ben c'est normal, hein. Moi je fonce pour faire le tank, pour histoire qu'il laisse Spera tranquille, et puis dès qu'il voit que Spera fait du moins 800 avec sa panda attaque, hop, il focus Spera alors. Mais les maps colliers sont totalement pourries, il y a des maps, il y a des trucs partout, on sait rien placer. Les maps du Kulta pour les roublards, je te jure, c'est une aubaine, tu sais rien faire du tout. Regarde AZ. Celui de E4, c'est un des meilleurs roublards du jeu. Il peut rien faire. Il sait rien placer, le pauvre. Eh, mon ancienne guilde. Tu étais dans Causeur? Ouais, dans Hunter Legend, il y a longtemps. Non, non. Mais si, c'est Causeur. Non, qui est celui qui a droppé. Ah, bah bon. Dans Hunter Legend, j'y étais tout un moment. Le perco d'ici, il me fait un peu rêver, toi. Je pense que ce soir, on va monter une petite team, mais... Ah ouais, on va sauter celui-là, hein. Parce ouais, mais il a que 187. De 11 millions. En bah, c'est... Il a des trucs de verglaceur, non? Comment? C'est parce qu'il a des trucs de verglaceur. Verglaceur, et je frappe des strats de... On s'appelle des strats de fumard, je pense, ça vaut pas ma chère. Le moustache, c'est pareil. Bon, comme d'hab, je refile le pain. Oh, j'avais oublié. On a un ennemi qui a le jamais, hein. T'as ma dédelle fait un peu de tâche quand même dans le tas. Ça va, je pexe bien ici. Ah, l'assaut. Tu es prêt? Ben ouais. C'est parti, je te mets devant mon ennemi. T'as vu ça? La vitesse? Poum poum. Par contre, ici pour les roublards, à mon avis, ça va être terrible. Parce que si on arrive à en placer. Attends. Une là. Une là. Non. Là, c'est pas des blancs que tu veux poser ici. Et une là, ouais. Là, tu sais que le prochain tour, tous les meubles, ils sont ici. Ah ben... Faut reculer, en gros. C'est ça. Mais cette zone, ça va aller pas. Elle est pas trop tronche. Faut focus le Kerkanik, c'est ça? Moi, quand je fais les climats, c'est des peuples, disons, ça va vite. Ah ouais, ils ont de la terre. Ça va, premier tour sans boost, le démon à 1300. Tranquille. En 1100. Non, ça va. Bah, limite, tu devrais me laisser le faire, hein, parce que tu perds trop de vitesse avec ton rouble. Pas bah, limite, non, parce que moi je tape au cac, tu vas me dire. C'est une petite astuce. Tu vois. Mais je pensais à un truc. Tu vois le donjon Kimbo? Voilà. De... Oui. Depuis le temps qu'il existe. Oui. Comment ça se fait qu'il y ait encore autant de personnes qui arrivent à se fail dessus? Comment ça, à perdre? Ouais. Tu sais que le Kimbo, moi, j'arrive pas, je comprends rien. Bah non, moi, je comprends la technique, mais ça arrive souvent que je perde. Hein. Je me suis jamais posé trop sur la question sur cette merde, là, de Kimbo. Du coup, j'arrive pas. Mais t'as pas lu ça. Ah, ça se cumule pas. Ah, c'est que sur nous la mascarade en plus. Ça, c'est... Ah, ben non. Non, c'est pas les mêmes aussi. Mais il faut être dans la tête. Bah, c'est bien en fait sur le frimar, au moins tu peux le taper. Enfin, là, il va falloir soigner parce que. Ouais. Tout le monde a tous les persos. Bon, lui il va falloir le tuer, sinon il est prêt à le tuer. Je te laisse le finir, tu le finis? Ouais, ouais.
Bon, après, j'imagine c'est le verre classeur qu'il faut taper. Il a Oh non. des longs bras, n'empêche. Et les petits fonces même. Hein. Quand il marche, on dirait un Slenderman. Paume. 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 T'as pas fait ta flèche expire. Ah si. Si, si. Par contre, je viens de fail, mais on a un beau poulet. Trop mal le crin en strigite, c'est trop abusé. Alors, non, c'est culé en strigite. Non, non, strigite. Je Strigite. confonds toujours, hein, ça m'énerve. Hey, mais Kenji, il est chaud. Hein. Et il faut bien. Bon, je vous le remontre. Kenji, Alex, tu peux mastiquer ma couronne. Il parle de sa couronne à l'histoire de ça. Ouais. Pas Parce de que bon. Kenji est un NIR. Non, même pas vraiment. Bah, Il non. a tenté, j'ai vu qu'il avait tenté sur Dofusbook, mais c'était pas très. Il a pas mal de stuff. Ça va, pour un full sasa, j'ai déjà vu des gens qui tapaient moins. Un roublard feu, disons que t'as pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de stats pour taper fort en fait. Mais Jojo, je sais pas comment il a fait pour avoir les accès au bulletin. L'année dernière, c'est toi qui m'avais filé un contenant. Non, 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 moi c'était Videofus qui m'avait mis dans sa team donc. Mais là, cette année-ci, je te dis, j'ai juste envoyé. Attends, à l'arrache, c'était 3-4 jours avant que le bulletin commence, j'envoie un email à Xialé et puis elle me renvoie un message. Ah, ben d'accord, pas de soucis, je t'ai créé un compte, voici tes identifiants. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je sais pas. Je sais pas, peut-être que lui aussi la journée, il a noté. Ouais, bah, je sais pas, je lui demanderai. Oui, c'est peut-être fait embaucher dans une team de streamers, je sais pas. Putain, la punie, elle a fait mal. Ça, c'est la punie boostée deux fois, c'est ça? Ouais, c'est ça, pour Ah. ça. On voit la La plus différence. grosse que j'ai la frappée sur un très noir, c'est 2010. Jamais. D'ailleurs, toi, tu vas te faire finir. Une fois de plus, nous perdons tête. Oh putain, 4 sur 4. Les autres donjons, tu les gères aussi? Je gère le Sylarde et le Mystique. Le Clim, je l'ai géré, mais c'est vraiment un donjon que j'aime pas. Et le Nilesa, c'est. Non. C'est pas du tout un donjon pour moi, ça. En plus, c'est pas du tout les classes qu'il faut. Du coup, c'est même pas la peine d'y. Ouais, donc pour les trois donjons que t'as dit là, non, même pas le Sylar que tu gères et le Clim, t'aimes pas, c'est ça.
Green, je ne sais pas. C'est le Sylar que tu saurais me faire passer aussi, quoi, avec tes trois personnes. Pour un. Ouais, ça sera pas le même team, mais oui, on pourra tout faire. Pourquoi pas. Mais à 5, ça change grand chose. À 5, un Merlor en plus. Moi, j'ai l'habitude de faire beaucoup à 4. Je trouve que c'est plus simple. Boum. Surtout, ce que j'aime bien à 4, c'est les salles, quoi. Les salles vont très très vite à. Bah ouais, c'est ça. Je pense que j'espère que je vais le finir, ce. Ouais. Ah, c'est moche. Décale et fait deux espingoles. Tu sais, ouais, c'est. Voilà, parfait. Moi j'aurais décalé. Ah oui, je drop. Donc, ça y est, nous sommes à la Missis. La Missis. Elle est au milieu de ces machins, on la voit même pas. Maintenant, ouais, bien sûr, je dis ça, elle se planque derrière le truc noir. Mais parfait. Donc, je t'explique comment ça va se passer. Il va y avoir. Par exemple, un mob ici, un mob ici, un mob ici, un mob ici. Ouais, et non, on est à 3, 2 de chaque côté, c'est pas ça? C'est à peu près ça. Le côté où il y aura la surprise, il y aura mon là. Enfin, je pense que ce sera mieux que ce soit toi, parce que je pense que je vais rentrer. Attends. Il y a un Stalag, un script arcanique. Ouais, non, je vais faire. Donc le côté où il y a la Missis Freeze, ça, il y aura mon roublard, il va être tenu de la tenir. Pendant que nous, en bas, on tue les autres mobs. Une fois qu'on aura tué les mobs en bas, le roublard il revient, et on tue le dernier mob, et la fin. Bah tu me coaches à chaque tour, hein, ça va. Ouais, avant de... Avant de jouer ton tour, tu connais le système d'église? Non. Avant de jouer ton tour, je te dis quoi faire. Ok. Je peux lancer? Bon, j'espère que ça va passer du premier tour. Allez, go! Donc. Où dois-je aller? En haut. Près du crâne? Attends, je vais montrer. Là où il y a mon ennemi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a deux roubles à botte, donc s'il y en a un qui fait chier, on peut l'envoyer à l'autre bout de la map assez facilement. Ouais, mais là, le placement, on sait que. Je sais pas s'il vient sur un 3, 6, 9. Oh, bah, j'espère qu'elle va aller sur le boulard. Là je viens de debuff l'état invulnérable du verglaceur parce que tous les mobs sont en état invulnérable. Le verglaceur faut le pousser, c'est ça. Donc là on focus le verglaceur à mort. Non, on le pousse pas. Non, non, non mais on le tape quoi. Oui. C'est un peu ça peut. Avec le roublard, je monte. Mais je crois que la Missis Freeze c'est un truc comme quoi il faut la pousser sur quelque chose, je sais plus, ou en diagonale. Non, c'est avec les glyphes, justement, la case où tu arrives, et ben elle le pousse. Attends, je vais jouer mon tour. Vas-y, un PM. Ah, j'ai fait de la merde. Ah, t'as pas donné l'épée? Non, je peux avoir. Donc là, il s'est débuff tout seul, le verglaceur. Je viens. Je vais essayer. Je peux pas taper avant? Oh oui, si veux, oui, vas-y. Retape là, hein. Ça miche. Ah, oh, mais ça le booste. Viens ici.
Mais c'est bizarre, hein, le verglaceur, sa mascarade, là. À chaque fois, ça me fait... Je comprends pas trop. Le verglaceur, on doit être à son cake pour qu'il nous débuffe, c'est ça? Oh, on a un soin. Oui, les congères donnent... Du coup, là, j'ai encore fait de la merde. Parce qu'on on doit pas finir... J'ai pas pu finir après mes alliés. Alors, tac. Ah d'accord, faut être face à elle avec la glyphe pour pouvoir l'enlever. Non, ça déconne. La frise, on ne la tape jamais quand on est en ligne ou en diagonale avec elle. Si c'est là, c'est poussé, le crâne là. Notre mascarade, là, elle s'enlève quand? Autour du verglas. Autour de celui qui s'est mis. Ah ben. Bah. Je crois. Là, franchement, le placement, il est très perdu. Donc, à mon avis, il y a un perso qui fait avant. Ouais, de l'armure. Écoute, je vais essayer sans, mais. Oh! Ouais, c'est comme un piège répulsif en fait le. C'est exactement ça, c'est un piège répulsif. Ça va aller ou pas? Oups. Il nous one shot en ligne, c'est ça? Ah ouais, mais c'est pas vrai, ils sont en train de passer, c'est pas possible, on a enlevé les snipes. Bref. Du coup, c'est pas là, voilà, mais ça, c'est pas là. Bon. Ah, t'aurais pu le mettre sur le Kirkane, toi. Bah non, justement, il manque une case. Ah merde. Quand même le Carcanic il est bizarre, hein. Il tape avec son carquois avant de taper avec son arc. On cherche l'erreur. C'est un bon, le stade il est assez loin, le truc c'est qu'il y a encore tous les mobs. Ouais. Bah... Le verglaceur il s'est bien planqué l'enfant. Oui. Bah ouais, sinon j'aurais pu le finir à ce moment-là, ils auraient été. Mieux. Bon, là j'espère qu'il va pas tuer le crâne. Non, c'est bon. Ok, ça c'était cool. Là je tue le verglaceur. La 20 PA la Mrs. Freeze, putain. Bon, pour le moment, j'ai pas trop compris l'histoire des états invulnérables, mais bon. En fait, tous les mobs sont des états invulnérables. Quand ouais. Attends, je vais commencer pour la prochaine. Faut que tu sortes du glyphe pour qu'ils soient en ligne ou en diagonale avec le mob, c'est ça? Donc là, avec le roublard, je vais avoir mon glyphe répulsif. Ouais. Donc si... tu dois aller. Attends. Pour si que je vais ici.
Je débuffe la frise. La frise et le carcanique, non? Non, le carcanique, non, non, parce que je vais arriver ici. Et c'est à partir d'ici que je vais pousser en diagonale et en ligne. Ah, d'accord. Tac. Et... Tac. On dit qu'on est étudiant. Pas de vidéo d'office. Si je suis en train de la tourner. Oh oui, le bug. Ouais, déco Skype. Est-ce que c'est moi? Non, problème avec l'appel. Oh merde, il a pas joué. Bon ben on est un peu dans la merde. Je sais pas si c'est moi ou si c'est lui qui bug en fait, c'est ça le problème. Ah non, c'est lui. Moi je suis totalement mort, de toute façon je ne saurais pas faire grand chose pour l'aider. Si mal que ça. Ah oui. Voilà, ne vous abonnez à la Bigbox, c'est de la merde. Tu veux que j'y retourne? Ouais, j'y vais. Ah, ils sont morts en plus, les tiens. Ah, bah là, oui, ma team est tout le temps morte. Sachant que je fais souvent du mystery et que le phénix de Frigostrand, enfin, il est pas loin. Je n'avais pas payé. Ouais, mais en fait, les verglaceurs, il y en a plein autour du donjon, donc ça va. De votre groupe ne peut rejoindre ce point de rencontre. Mais oui, vous êtes même. Ouais. Heureusement, c'est un peu. Bon, ben maintenant j'ai compris, je dois rester loin des murs. Et Kaiwan, il est pas au goût lui aussi, avec son crâne. Non. Non. Ou alors il était dans les votes, mais je sais pas, j'ai déjà vu de ce. Je crois qu'il était dans les 5 premiers. Je vais pas en appeler. Et j'étais dans les 5 premiers avec Massacri, alors. Ah, Massacri en panneau Alistair Nevar quand même. Hein. Le truc hyper opti, j'ai fait le donjon en 8 le Goultar en 8 minutes, j'étais dans les 5 premiers. DaZ l'a fait en 58 secondes et 3 non, 4 tours. Ou 5 tours, je sais plus. 5. Le truc légèrement abusé. Et en gros, il faisait du 10 000 par tour pour pouvoir le tuer. Je suis sûr qu'il y a moyen qu'il améliore en plus. Peut-être.
Oui. Peut-être. Ok. Bon, cette fois-ci, sans fail et sans déconnexion. Ouais. Enfin, la déconnexion sera un bon. Et je vais essayer de pas mourir pour une fois, ça va. Ah ouais, en plus, on avait des bons challenges. Enfin, tu as un gage bof, mais aucun allié ne doit mourir, c'est largement fou. Ouais, je prends un bonbon ça, comme ça. Enfin, c'est un combat, donc au pire, je peux que. C'est pas grave. Je prends 10 millions 6 à la place de 9 millions 5, t'es bien. 10 millions par 5, 10 millions par là. Il y a 4 glaciales. Elle est jolie, mais on n'a pas la bêche. Ouais, je vois plein de gens avec la bêche As Moi j'en au peux Gold. plus de cette bête chat. Tout le monde me recommande de ça, c'est un calvaire à faire. S'il faut 46 incus de glaceur. Et c'est la mort. Ah bah en fait la panneau glaciale elle est bien pour un perso haut. Ouais, mais le bonus panneau est un peu. Ouais, et des résis critiques. Ça donne des résis. Ouais, tu montes à 45 résis critiques. Et 40 dommages poussés, c'est pas mal. Un oiseau. Ouais. Tu es prêt? Ouais. Je rentre avec le train et c'est parti. Let's go. Je regarde les items qu'on peut avoir avec Cette avec les fois-ci, trucs je que j'ai. viens ici. Bon, le placement est bien. S'il n'y a pas de conneries et pas de lag, c'est parfait. Oh, tu ragages avec Arcanique, dommage. Donc en gros, la glyphe, tu dois être dans la ligne. Tu dois aller vers le geck. Quand tu le fais reculer, c'est bon, tu lui mets La case où t'arrives. le buff. Ouais. Il y a des. Je sais pas si le mot existe, le. Non. En fait, ça pousse à 5 cases. Ouais, et si tu Sur le 5 pousses, il est cases, si invulné. tu pousses. Et ça a le debuff de l'invulnérabilité. Ah, et la Mrs. Freeze, faut la pousser en diagonale. Non, c'est pareil que l'autre. Mais les autres, tu peux les pousser en diagonale aussi. Ouais. Capitaine Flamme désactive l'état invulnérable. Hein? Ça c'est un bug. C'est un bug parce que on est pas sous état vulnérable. Ouh, joli la lance Glourson. Exopé mais avec une résie critique en plus. Je tape le carquin. On ne colle jamais les. Ouais, là, t'as fait une belle connerie. Ben non, je fais ça. Non. Oh putain! Oh le con! Oh putain! Tu veux pas qu'on fasse une pause et que je reprenne après parce qu'il y a ma maman qui vient de m'appeler pour manger. Vas-y. On finit après? C'est. J'envoie un message in-game. Ouais, ça va.
À tantôt. Ciao.